Je voudrais tout d'abord vous prier de bien vouloir excuser le président Gassiou, qui a dû partir en début d'après-midi en Italie dans le cadre d'un déplacement de la Commission. Je voudrais vous dire, mon général, et je suis sûr de m'exprimer au nom de mes collègues députés élus lors de la précédente législature, l'immense plaisir qui est le nôtre et le mien de nous retrouver aujourd'hui, vous qui avez été un fidèle habitué de cette salle en tant que chef d'état-major des armées de 2017 à 2021. Nous vous avions écouté pour la dernière fois le 7 juillet 2021. Nous avions écouté pour la dernière fois pour une audition exceptionnelle dont ceux qui ont eu la chance d'y assister se souviennent encore et qui portait sur la place des armées dans la société française et la singularité militaire. Un thème que nous défendons en commun et qui n'est pas très éloigné de nos préoccupations d'aujourd'hui. C'est en effet dans le cadre de notre cycle sur la défense globale que nous vous avons invité aujourd'hui en votre qualité de grand chancelier de la Légion d'honneur que vous êtes depuis le 1er février 2023. Pour nous expliquer l'implication des ordres nationaux dans la cohésion nationale, l'éducation à l'esprit civique et la défense globale, comment les ordres nationaux, par le choix des récipiendaires et leur action, peuvent y contribuer, et comment les associations de membres se mobilisent pour y concourir. Mais de manière plus globale, nous espérons continuer avec vous les échanges si riches qui ont été les nôtres, et je note que vous avez déploré dans un texte de novembre 2023 que la nation n'était pas suffisamment consciente du danger existentiel qu'elle pouvait courir et qu'il appartenait aux politiques de maintenir les esprits armés. C'est un peu l'objet de ce cycle, de rappeler aux citoyens qui sont les véritables remparts de la nation et qu'il ne saurait y avoir de défense efficace sans leur implication personnelle. Au-delà des citoyens, nous nous donnons également pour objectif de rappeler aux forces vives de la nation qu'elles doivent aussi s'impliquer et il n'y a pas que le ministère des Armées qui puisse contribuer à la défense de la nation. Aussi, maintenant, mon général, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le député. D'abord, c'est un plaisir de revenir ici, de rencontrer, même si beaucoup de têtes ont changé. Mais bon, il reste des têtes essentielles. Cette commission de défense de l'Assemblée nationale avec laquelle j'ai toujours adoré échanger et vous rappeliez cette ultime séance d'échange sous forme de transmission d'un héritage dont je garde un souvenir merveilleux, d'abord par l'implication, l'écoute attentive, la participation de l'ensemble des députés. Puis c'était pour leur dire des choses qui, pour moi, étaient essentielles parce qu'elles avaient guidé toute ma vie militaire et tout mon mandat de chef d'état-major des armées. Voilà. Sur un sujet évidemment qui rejoint celui-ci, celui que vous me demandez de traiter, qui est comment armer la société, l'armée psychologiquement, l'armée moralement. Voilà. Étant entendu que, et c'était le sens de cette intervention du 7 juillet 2021, j'ai pris mes fonctions de chef d'état-major des armées avec une sorte de mandat, en tout cas, que m'avait accordé le président de la République, qui consistait à rappeler et à réaffirmer la singularité militaire qui avait été niée pendant plusieurs années avant qu'il arrive en fonction. Voilà. Et sans doute, le fait de ne pas reconnaître la nécessité d'une telle singularité militaire a-t-elle conduit à désarmer notre société et à éloigner des mentalités et des opinions publiques la perspective de la guerre qui, malgré tout, a toujours existé dans l'histoire des hommes et qui doit être une perspective qui sert à redresser, à renforcer et à réarmer plus qu'à faire peur ou à tétaniser. Voilà. Donc il y a un vrai lien. Je pense que c'est important. Je relisais l'autre jour un texte de Thucydide sur le dialogue mélien. Je vous recommande de lire ça, qui raconte un épisode de la guerre entre Athènes et Sparte et qui raconte notamment la domination qu'Athènes va imposer à l'île de Mélos. Et en fait, cette espèce de victoire de la force sur le droit. Or, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître un basculement d'air stratégique absolument fondamental, dont nous ne mesurons, à mon avis, pas complètement la portée, et qui est même au-delà du basculement d'air stratégique que nous identifions bien, qui s'est ouverte avec la fin de la guerre froide,
l'effondrement du mur de Berlin, et puis avec et qui s'est refermé avec l'invasion d'Ukraine, qui ne faisait que consacrer un déséquilibre des rapports de force, des constitutions, des arsenaux que nous sentions venir depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, si le président de la République, dans la première loi de programmation, a voulu un redressement de l'effort de défense, c'est parce que nous en étions tous conscients. Mais je pense que cette ère stratégique qui est en train, dans laquelle nous entrons, elle est un bouleversement qui remonte même à plus loin. Je pense qu'on peut considérer que l'ordre du monde sur lequel nous avons vécu jusqu'à présent et qui est en train de disparaître est un ordre du monde fondé après la victoire des Alliés et du monde occidental à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est un ordre du monde fondé sur le droit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui est remis en question. Et ça me paraît extrêmement grave. Et ça s'accompagne évidemment d'une remise en cause d'un monde qui a été globalement occidentalisé. Et c'est une remise en cause de l'occidentalisation du monde qui est en train de se faire sous nos yeux, avec un affaiblissement sans doute de ce monde occidental qui a considéré que le droit qui était le sien devait s'imposer parce qu'il était bon pour la planète et l'ensemble des nations au monde entier, et qu'il n'avait plus besoin d'être soutenu par la force parce qu'il était soutenu par la supériorité technologique. Et on redécouvre aujourd'hui, malheureusement, la brutalité du monde et la barbarie des choses. Voilà. Je ne veux pas faire de publicité, mais il se trouve que j'ai écrit un livre qui va paraître le 11 avril, qui s'appelle Entre-guerres, qui paraît chez Gallimard. Je vous recommande de l'acheter, évidemment. Je vous le dédicacerai. Dans lequel j'essaye de parler de ça. J'essaye de parler de ce qu'est la guerre et de la façon dont j'ai vécu comme jeune officier à la première guerre du Golfe, à Sarajevo, au Rwanda, en Somalie, des expériences de combat et de guerre auxquelles notre société était absolument, totalement, définitivement étrangère, qu'elle ne voulait pas considérer, qu'elle ignorait de manière délibérée. Voilà. Parce que la guerre était devenue quelque chose de simplement ignoble. Pas simplement quelque chose de tragique, la guerre est forcément quelque chose de tragique. Pas simplement quelque chose de grave, pas simplement quelque chose de dégueulasse, dirait-on, mais ignoble au sens propre du terme. Et une société qui s'est enfermée, alors pas les députés de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, mais la plupart de nos concitoyens, qui considéraient que finalement, les armées ou les militaires étaient une sorte de sous-humanité, j'exagère, mais la partie la moins évoluée du genre humain qui pouvait se livrer ou se préparer à se livrer à cette chose ignoble. Or, la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que la guerre, malheureusement, est une perspective toujours possible, qu'on doit tout faire pour l'éviter, bien sûr, mais qu'en réalité, la meilleure façon de l'éviter, c'est de s'y préparer et de s'armer psychologiquement, mentalement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre pays s'est à ce point désarmé. Je ne peux que constater qu'aujourd'hui, les déclarations récentes du président de la République provoquent un émoi important à l'international, mais aussi dans notre société. On pourra y revenir si vous le voulez. Mais que c'est vrai dans tous les pays de l'Europe et tous les pays du monde occidental, alors que nous avons face à nous des gens qui ont toujours considéré que la guerre était un horizon possible. Voilà. Et qui se sont armés pour faire face à cette éventualité et qui donc n'ont pas peur de le faire. Je ne sais pas d'où vient cette espèce de renoncement à la capacité à défendre nos valeurs, à les promouvoir, ou à considérer que parce qu'elles risquaient d'être menacées, il fallait que nous sachions les défendre. Peut-être est-ce une sorte de disqualification de la guerre qui est liée d'abord à l'hécatombe des deux conflits mondiaux, auxquels il faut ajouter la Shoah, dans une sorte d'ailleurs de disqualification paradoxale de la guerre, parce qu'en réalité, si la Shoah a pu être interrompue ou arrêtée, c'est bien parce que l'Occident a gagné la guerre et qu'il a accepté de livrer cette guerre. Mais je ne peux qu'observer cette disqualification de la guerre, et qui, par ailleurs, est venu s'ajouter le sentiment presque étonné d'une victoire miraculeuse dans une guerre qui n'a jamais été livrée, puisque la guerre froide n'a jamais été déclenchée et qu'on a eu le sentiment qu'on avait gagné. Mais en tout état de cause, je ne peux qu'observer cette disqualification de la guerre qui me paraît participer très largement du désarmement des esprits. Voilà. Alors, la Légion d'honneur dans tout ça, évidemment, elle joue un rôle absolument central, puisque d'abord les notions d'honneur, de service, de mérite, qui sont portées par les ordres nationaux, qu'il s'agisse de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite, me paraissent être absolument centraux dans,
dans ce qui devrait être un ferment de citoyenneté et un ferment de volonté de construire et de bâtir un édifice ensemble. Alors quand j'ai pris mes fonctions de grand chancelier de la Légion d'honneur, le président de la République m'a fait part de son souci de voir des ordres nationaux dont la perception dans l'opinion publique était sans doute dégradée. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais, me disait-il, je crains qu'aujourd'hui, cette Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite de la même façon soient perçus comme soit le signe d'un entre-soi de personnes riches, puissantes, d'un monde de la politique, des affaires, de la communication, très parisien, auxquels finalement les citoyens n'ont pas accès, ou alors, et ça n'est pas contradictoire, comme le signe, une sorte de témoin d'usure de la haute fonction publique, avec une sorte d'automaticité dans la promotion et dans l'accès aux ordres nationaux, à partir d'une certaine ancienneté dans le service, dans les administrations centrales. Et il m'a demandé de voir comment on pouvait corriger cet état de fait. Et lui-même avait pris des décisions très dures concernant cette dévalorisation qu'il pressentait de l'image de nos ordres nationaux dans l'opinion publique. Dévalorisation qui est grave, parce qu'en réalité, bien sûr, il faut qu'on ait des exemples, qu'on ait envie de suivre ces exemples, que ces exemples soient inspirants. Et donc, il faut qu'il y ait, à côté des concitoyens, au milieu d'eux, des personnes qui se distinguent par la qualité de leur service et de leur engagement et qui paraissent comme étant des modèles dignes d'être suivis. Le président de la République, pour revaloriser la Légion d'honneur, avait été très, très sévère puisqu'il avait diminué les contingents annuels à moins de 1300 pour la Légion d'honneur par an et que ces deux dernières années, il a même demandé à ce qu'on n'accepte pas dans l'ordre plus de 400 personnes par contingent. Donc on a descendu les contingents annuels de la Légion d'honneur à 800 personnes. Voilà. Avec un effet en réalité contraire à celui espéré. D'abord, le premier effet a été une réduction très importante du nombre global de décorés, puisqu'on est descendu au-dessous de 80 000 décorés de la Légion d'honneur l'année dernière. Je rappelle que le taux qui avait été fixé par le général de Gaulle au début des années 60, ou la quantité qui avait été fixée par le général de Gaulle, était de 125 000 décorés de la Légion d'honneur. Le général de Gaulle avait déjà été assez sévère. À l'époque, il y avait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 320 000 décorés de la Légion d'honneur. Ça s'expliquait par les guerres, évidemment, que la France avait connues et traversées. Mais le général de Gaulle avait dit « Je veux qu'on ne dépasse pas 125 000 décorés de la Légion d'honneur pour revaloriser cette décoration. » Et que, par ailleurs, le général de Gaulle a souhaité la création de l'Ordre national du mérite pour mettre un terme à la prolifération des ordres ministériels et la trop grande quantité de récompenses par les ordres ministériels. Je rappelle qu'avant la création de l'Ordre national du mérite en 1963, il y avait globalement 17 ou 18 ordres ministériels et plus de 32 000 décorés dans ces ordres ministériels par an. La création de l'Ordre national du mérite a remis un ordre certain dans tout ça et aujourd'hui on est à 3 000, entre 3 000 et 3 500 décorés de l'Ordre national du mérite par an. Voilà. Donc on a considérablement réduit, et le président de la République, le président Macron, a accentué cette réduction de façon assez drastique. Alors il se trouve que j'ai rencontré hier soir le président de la République pour lui soumettre les prochains contingents triennaux, et que j'ai fait avec lui le constat que la volonté qui était la sienne de revaloriser la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite n'avait pas été couronnée de succès. Voilà. Et qu'au contraire, la réduction drastique des contingents avait conduit à une accentuation des défauts de ces ordres, c'est-à-dire une concentration encore plus marquée sur des personnes de l'administration centrale, des ministères, et par ailleurs, une concentration encore plus marquée sur l'Île-de-France des personnes décorées. Et en réalité, on a donc des ordres nationaux qui ont du mal à aller irriguer sur la totalité du territoire et qui continuent à se concentrer sur une partie de la population qui est de plus en plus de l'administration, de la haute fonction publique
ou des lieux de pouvoir. Voilà. Donc à l'opposé de ce que cherche à faire le président et à l'opposé de ce que nous cherchons tous à faire. C'est-à-dire qu'on doit avoir un ordre national, des ordres nationaux qui vivent au rythme de la société, qui sachent aller distinguer dans des métiers nouveaux, des mérites nouveaux, et qui soient capables d'aller chercher des profils différents, plus près du terrain, plus près de des gens qui agissent concrètement et au contact des populations, et mieux répartis sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc comme c'est le souci du président, je lui ai fait un certain nombre de propositions. D'abord, on a décidé de desserrer la contrainte qui pesait sur les contingents. Donc, c'est ce que j'ai proposé au président de la République, qui m'a accordé qu'on revienne à plus de 1200 propositions par an pour la Légion d'honneur. Et puis, on a décidé de revitaliser ce qu'on appelle l'initiative citoyenne. Alors, je parle à des députés, avant de vous parler de l'initiative citoyenne. En réalité, quel est le problème des ordres nationaux ? Au-delà de la désaffection peut-être d'une partie de la jeunesse ou de la population, au-delà d'ailleurs de la mauvaise perception que peut avoir l'opinion publique, parce que la réalité, c'est quand même que les Français, si vous leur dites « je vous donne la Légion d'honneur », ils sont extrêmement honorés. Voilà. La difficulté, c'est la difficulté des capteurs. Voilà. C'est que nos ministres n'ont pas de capteurs. Et vous le savez, ce sont les ministres qui font les propositions. Le grand chancelier a un contingent, mais pour le reste, ce sont les ministres qui font les propositions, qui ont, en général, dans leur cabinet, une personne qui est en charge de l'établissement de ces propositions. Alors, il y a des ministères extrêmement bien organisés. Le ministère des Armées est remarquablement organisé, avec une tradition de chancellerie très ancienne. Tout ça est très suivi. Mais dans la plupart des ministères, c'est assez mal fait. Et les ministres ont du mal à aller chercher sur le terrain. Et on manque de capteurs pour aller identifier les personnes qui devraient être récompensées et distinguées dans les ordres nationaux. Voilà. Et si je dis ça aux élus, c'est parce que je considère que les élus sont parfaitement légitimes à proposer des personnes. Parce que s'il y a bien des personnes qui sont au contact du terrain, au contact des électeurs, au contact des élus locaux, etc., c'est les députés et les sénateurs. Et donc, moi, j'attends des députés et des sénateurs qu'ils fassent des propositions, qu'ils identifient des personnes qui mériteraient d'être récompensées et distinguées. Voilà. Il ne s'agit pas d'identifier ses amis. Il s'agit vraiment d'un acte civique et d'un devoir des élus. Voilà. Je ne vous citerai pas la dérive qui peut arriver dans certains ministères ou certains ministres, après avoir récompensé toutes les personnes qu'ils connaissaient dans leur circonscription. Voilà. Et c'est humain, je dirais. Voilà. Mais en tout cas, au-delà des ministres, il faut que les élus, eux, là où ils sont implantés, aident à identifier ces personnes. Alors, j'ai demandé donc au président qu'on revitalise et qu'on inscrive dans le code de la Légion d'honneur. Donc on va faire une modification du code de la Légion d'honneur, parce que le président m'a donné son accord, l'initiative citoyenne. L'initiative citoyenne permet à 50 citoyens de désigner une personne qu'elle trouve absolument admirable, de monter un dossier de mémoire de proposition de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite, et ayant réuni ces 50 signatures, de la donner au préfet pour que le préfet la transmette au ministère concerné et que le ministre concerné la transmette à la Grande Chancellerie. Aujourd'hui, cette initiative citoyenne qui a été créée à l'époque du président Sarkozy est à peu près tombée en désuétude, malheureusement, mal suivie par les préfets qui ont perdu une partie des effectifs qui leur permettaient de faire ce travail dans les préfectures, ne sont pas assez attractives pour les ministres, et donc cette initiative citoyenne ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai proposé au président de la République, c'est qu'au-delà de l'arrêt de la contrainte qu'il a imposée sur les contingents de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, on crée des contingents dédiés à l'initiative citoyenne et qui, par ailleurs, feront l'objet d'une transmission des mémoires par deux voies. Une première voie qui est la voie actuelle par les préfectures et une autre voie qui est une voie directe à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. La Grande Chancellerie de la Légion d'honneur et le Conseil de l'Ordre ayant la possibilité, s'ils ne voient pas arriver les dossiers par la voie ministérielle qui devrait être alimentée par les préfets, le Conseil de l'Ordre ayant la possibilité de dire « Écoutez, il y a des dossiers qui m'ont été transmis directement pour le contingent d'initiative citoyenne. Vous ne me les avez pas transmis, mais je m'en empare, moi, en tant que Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. » Voilà donc ce qui me paraît de nature à créer une sorte de choc et à permettre qu'on aille vraiment capter les gens qui méritent de l'être.
et qui sont des gens au contact des populations, parce que, encore une fois, c'est bien en ayant dans les territoires, dans les départements, dans les villes moyennes et grandes, et puis dans des PME, dans des milieux qui sont aujourd'hui peu irrigués ou qui sont peu représentés dans les deux ordres nationaux, qu'on arrivera à ce que ces exemples puissent être contemplés et servent de source d'inspiration à un maximum de personnes dans la population. Voilà donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce que j'ai obtenu du président de la République qui me l'a confirmé qu'il me suivait sur les propositions que je faisais. Donc on va lancer cette procédure de modification du code de légion d'honneur. J'ai demandé au président de la République s'il était possible que j'aille faire, parce que c'est prévu par le code de légion d'honneur, une communication en Conseil des ministres pour sensibiliser les ministres sur cette initiative et sur cette modification du code de légion d'honneur. Et puis par ailleurs, j'irai dans les réunions des chefs d'administration déconcentrés, réunions qu'organisent les ministres, des préfets, des patrons d'ARS, directeurs d'académie, expliquer ce dont a besoin l'ordre pour que nous allions réellement chercher les gens qui vont permettre, encore une fois, d'être un ferment le mieux réparti possible dans la population, qui doit inspirer le civisme, qui doit montrer l'exemplarité du service et de l'engagement au profit des concitoyens. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule. Avant de laisser la parole à mes collègues, j'aurais deux questions à vous poser. Vous avez parlé dans votre première partie du désarmement des esprits et désarmement du pays. Ça vous inquiète ? Oui, enfin, d'abord, ça ne m'inquiète pas aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je le sens, ce désarmement. Et que d'ailleurs, quand j'étais venu parler ici il y a 2 ans, j'en avais parlé. Donc ça m'inquiète encore plus aujourd'hui parce qu'il apparaît comme évident. La déclaration du président de la République sur l'éventualité d'un engagement en Ukraine, je ne vais pas me prononcer dessus en tant que militaire parce que je ne suis plus chef d'état-major des armées. Simplement, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ça fait 2 ans que j'entends sur tous les plateaux de télévision, à toutes les chaînes de radio, des tas de commentateurs qui disent « armons-nous et partez ». Et avec un sens moral très développé, dire « on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier Ukrainien ». Ben oui, mais non, en fait. Voilà. C'est que les Ukrainiens, au bout d'un moment, ils ne veulent plus se faire tuer, ou ils sont épuisés par la guerre qu'ils mènent, qu'ils ont des problèmes de recrutement, d'appels de plus en plus importants, une population qui a diminué, qui vieillit, qui souffre terriblement. Et donc, je pense que dire aux Français, écoutez, c'est pas... on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier Ukrainien, c'est soit on est prêt à se faire tuer, soit on n'est pas prêt à se faire tuer. Mais on ne peut pas exiger des autres qu'ils se fassent tuer pour nous. Et en tout état de cause, cette guerre, si on considère qu'elle nous concerne, il faut qu'on imagine que peut-être un jour, d'une façon ou d'une autre, elle nous concernera réellement jusqu'à ce que notre jeunesse ou notre population doivent s'engager d'une manière ou d'une autre dans cette guerre. Voilà. Mais la guerre par procuration, qui est une chose à laquelle nous nous sommes habitués depuis si longtemps, me paraît être une illusion. Absolu. Je me souviens quand je faisais l'IHEDN d'un séminaire de rentrée, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ont fait ou qui feront l'IHEDN, nous avions été reçus à Biarritz par M. Lamassoure. M. Lamassoure nous racontait son expérience récente à Davos, où il avait été, lors d'un colloque international, présenté l'idéal européen. Et il avait, avec sa verve habituelle et son talent, développé le miracle européen. Et cette première historique qui était d'un continent qui avait été au bord du suicide à travers les 2 conflits mondiaux et qui s'étant rendu compte de cette attitude complètement suicidaire, inventer un nouveau mode de construction d'une entité politique supranationale tout à fait extraordinaire pour préserver définitivement la paix en son sein. Voilà. Et M. Lamassoure nous racontait ça, il nous disait « je m'attendais à un tonnerre d'applaudissements ». Et en fait, là, autour de la table, il y avait des gens, dont un grand Indien qui m'avait dit « mais attendez, vous voulez peut-être plus la guerre, mais moi je vous prédis que le siècle prochain sera un siècle de fer et de sang voilà. ». Et vous la voulez peut-être pas, mais nous, on la fera. Voilà. Je crois qu'il faut bien mesurer ça. Et que ce n'est pas un problème qui est limité à l'Ukraine. Je pressens aujourd'hui, je ne suis pas
je ne suis pas un sondeur, mais je pressens que nous faisons tous le dos rond en nous disant, bon, une fois que le conflit ukrainien sera terminé, on pourra reprendre nos affaires comme avant. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ça n'est pas ce qui va se passer. Les déséquilibres, ne serait-ce que des arsenaux que nous observons et qui sont en train de se créer depuis 10 ans, 15 ans, et qui sont en train de s'accentuer en réalité parce que la Russie est aujourd'hui lancée dans la production d'un arsenal qui lui permet à la fois d'avoir des obus, des pièces, et des munitions, des engins en grande quantité, même si ce n'est pas en grande qualité, va accentuer ce déséquilibre. Et nous n'avons pas enclenché en réalité cette production de guerre qui est nous, Européens. Voilà. Donc ce déséquilibre, même si la guerre en Ukraine devait se terminer demain, et je le souhaite, il ne serait pas réglé, il ne sera pas résolu. Et donc si nous n'acceptons pas l'idée qu'il faille limiter ce déséquilibre et s'armer contre des gens qui, eux, ne considèrent pas que la guerre soit ignoble, même si la guerre est une barbarie, même si c'est une chose terrible, eh bien en réalité, elle nous mettra en situation de faiblesse et de soumission d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc oui, ça m'inquiète, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne me semble pas que ce soit lié uniquement au conflit ukrainien et que ça s'arrêtera avec la fin du conflit ukrainien. Et je reviens aux ordres nationaux. Vous avez donc dit qu'il fallait corriger cet état de fait et pour cela, il fallait desserrer donc les contraintes et revitaliser l'initiative. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ah ben, je vous l'ai dit. Oui. Je m'adresse aux élus. Voilà. Faites-nous des propositions. Faites-nous des propositions. Je m'adresse ensuite, après les élus, à tous les représentants des administrations déconcentrées de l'État en disant allez chercher, non pas en administration centrale, parce que ça ne peut pas être le fait du seul cabinet de tel ou tel ministre, mais c'est bien l'administration qui doit aller rechercher partout. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun professeur, aucun proviseur, aucun directeur d'école qui soit proposé pour l'ordination du mérite. Voilà. Alors, il y a des effets qui sont pervers parce que, comme l'éducation nationale considère que les palmes académiques sont à sa main et que ça lui suffit, on ne pense pas à aller décerner dans l'éducation nationale à tel proviseur ou tel professeur ou tel directeur d'école particulièrement méritant un ordre national. Mais c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Donc moi, j'ai proposé des modifications du code de la Légion d'honneur que le grand maître a validé. On va faire cette modification. On a ce contingent. Et ensuite, je m'adresse à tout le monde, donc les élus, donc les représentants d'administration ou les chefs d'administration déconcentrés, donc les préfets. Par ailleurs, je vais demander aux associations de décorés qui maillent le territoire, que ce soit la section des membres de la Légion d'honneur, l'Association nationale de l'Ordre national du mérite ou des médaillés militaires, de précisément mettre en œuvre cette initiative citoyenne en étant attentif au fait qu'il ne s'agit pas qu'ils demandent à ce qu'on promeuve leur petit ami ou leurs camarades qui participent déjà à la SMLH locale. Mais il faut qu'ils aient cherché des gens qui ne sont pas décorés, et précisément, leur implantation locale doit leur permettre de le faire. Donc voilà ce que je compte faire. En fait, c'était pas forcément de quantité, mais plutôt de qualité des récipiendaires. Non, c'était un problème de qualité, vous avez raison, puisque effectivement on n'arrivait plus à chercher, à trouver ce qu'on cherchait. Mais ce qui est clair, c'est que la réduction de la quantité n'a rien résolu. Voilà. Voilà. Et qu'au contraire, à trop limiter la quantité, on n'aura plus de gens à voir. Je veux dire, quand vous avez moins de 80 000 décorés de la Légion d'honneur avec une moyenne d'âge qui augmente, bah, vous avez des gens de moins en moins visibles. Donc moi, j'engueule aussi les gens qui sont décorés en disant « Mais portez vos décorations, Madame la ministre, elle porte sa Légion d'honneur. » Heureusement, d'ailleurs. Et vous aussi, Madame la députée, soyez fière de ça. Et vous savez que ça vous oblige, en réalité. Voilà. Donc, Merci. Je vais laisser la parole maintenant aux orateurs. Nous allons commencer par Renaissance. Et je vais donner la parole à Lysiane Métayer. Merci, Monsieur le Président général. Alors, au nom du groupe Renaissance, je vous remercie sincèrement pour votre participation à notre commission, ainsi que pour votre intervention sur les ordres nationaux. Dans le paysage géopolitique contemporain, marqué par des tensions croissantes et des défis sécuritaires divers, l'implication des ordres nationaux dans la cohésion nationale et la défense globale va au-delà de la simple reconnaissance honorifique individuelle, et vous l'avez signalé, qu'elle symbolise également l'excellence et le dévouement au service de la nation.
C'est dans cet esprit que les différents ordres nationaux et ministériels du Morbihan, dont je suis députée, de la 5e circonscription de Lorient, ont choisi de se réunir sous le pilotage de l'association des palmes académiques du Morbihan, qui s'appelle la MOPA 56, et avec l'expérience des anciens auditeurs et HEDN, ce qui donne aussi tout son sens, pour travailler ensemble sur le thème « Pour une culture des valeurs de la République, de l'individu au citoyen ». J'étais d'ailleurs ce samedi matin à leur assemblée générale, car je suis moi-même officier des palmes académiques, et vous voyez, je porte également ma médaille. Et nous avons lancé l'initiative Génération AMOPA 56, qui a pour objectif d'associer également les jeunes à ces travaux. Et à partir donc d'une idée et la volonté de quelques-uns, une étude a été lancée sur le thème, prenons en compte les ordres relevant de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, de l'Ordre des palmes académiques, mais également de l'Ordre du mérite agricole, de l'Ordre de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif et du souvenir français. Le fruit de ce travail croisé a vocation à alimenter en propositions les ordres, nos décideurs, bien sûr, et les représentants d'État, du département et, je l'espère, nos ministères de tutelle. En tout cas, en ce qui me concerne, je m'y emploierai. Et ici, de l'ensemble du territoire national, dans une dynamique plurielle de ses membres, cette démarche est l'occasion de dynamiser chaque section départementale en transversalité. Excusez-moi. Les échanges ont permis à chaque groupe de retenir la thématique phare qu'il souhaite approfondir. Il a ainsi été retenu l'exemplarité, vous l'avez aussi abordé, la citoyenneté, l'engagement, la transmission, la solidarité et l'éducation. M'appuyant sur ce manifeste que j'ai eu le plaisir de vous remettre à votre arrivée, votre audition fait écho avec mon objectif d'organiser prochainement un événement citoyen dans ma circonscription sur ce sujet et m'invite à m'intéresser davantage aux multiples implications des ordres nationaux dans la cohésion nationale et l'esprit de défense. Dès lors, pensez-vous que ces initiatives à l'échelle locale constituent la bonne voie à suivre ? Et à l'échelle nationale, quelles sont les initiatives futures des ordres nationaux pour renforcer encore davantage la cohésion nationale et la défense globale ? Je vous remercie. Oui, c'est une question pleine. J'avais déjà apporté quelques éléments de réponse. D'abord, je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Il faut que, encore une fois, c'est un sujet et un problème de capteur. Donc, il faut que ça vienne du terrain. Et c'est évidemment sans renoncer à continuer à récompenser des hauts fonctionnaires qui servent admirablement et qui se dévouent au bien commun en servant l'État. Ce n'est pas ça le sujet. Mais il faut absolument ces initiatives de terrain et il faut que les propositions viennent d'initiatives locales. Et donc, ce que les députés peuvent faire me semble très précieux. Vous avez parlé de l'exemplarité. C'est un sujet aussi important au Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur. Voilà. Parce que ça renvoie à la discipline et aux affaires disciplinaires qui sont traitées par la Légion d'honneur. Voilà. Avec évidemment des polémiques récurrentes et des scandales qui naissent parce que des personnes décorées ont des comportements inadaptés ou qu'elles sont traduites en justice. Voilà. Alors sur ce sujet-là, je profite de ce que vous avez cité, l'exemplarité, pour évoquer ce thème, à mon avis, auprès duquel on ne peut pas passer. D'abord, il y a un paradoxe. C'est que la grande chancellerie s'interdit absolument de sanctionner ou de traiter disciplinairement une affaire qui fait l'objet d'un traitement par la justice et pour laquelle un jugement définitif n'a pas été rendu. Parce que la présomption d'innocence joue et que nous considérons donc que tant que toutes les procédures d'appel n'ont pas été épuisées, et il n'est pas question que nous nous substituions au juge, et que, par ailleurs, nous n'avons pas les moyens d'investigation ni de la police ni de la justice pour le faire. Voilà. Le paradoxe, c'est que quand une affaire ne fait pas l'objet d'un traitement par la justice, le Conseil de l'Ordre est libre de faire ce qu'il veut, il ne remet pas en cause la présomption d'innocence, et donc s'il y a des comportements scandaleux mais qui par ailleurs sont des comportements scandaleux, qui parce qu'il y a prescription, lorsqu'une plainte a été posée, ne sont pas suivis par la justice, eh ben, le Conseil de l'Ordre peut s'en saisir. Et je pense que nos concitoyens attendent que telle ou telle personne décorée, si elle a un comportement contraire à l'honneur, contraire à la décence, elle soit effectivement sanctionnée. Donc c'est un sujet qui est très délicat, évidemment. On pense tous à tel ou tel acteur célèbre, mais si vous voulez, tel ou tel acteur célèbre, s'il est,
s'il fait l'objet d'un traitement disciplinaire par le Conseil de l'Ordre, qui peut donner lieu soit à une exclusion, soit à une suspension pour un temps donné, soit à un blâme, qu'on appelle une censure dans, le, dans les procédures de l'Ordre, qui est une lettre écrite par le grand chancelier à l'intéressé. Un comportement scandaleux peut donc donner lieu à ce type de procédure, alors que la personne, par ailleurs, qui a eu un comportement scandaleux pour lequel il n'y a pas eu de plainte portée, est par ailleurs poursuivie en justice, mais n'a pas épuisé toutes les possibilités d'appel dans la plainte en question. Donc ce sujet est suivi de très près. Moi, j'ai demandé à ce qu'on redouble d'exigences vis-à-vis de l'honorabilité et du comportement d'honorabilité des personnes qui sont décorées de la Légion d'honneur, parce que je considère que c'est important pour nos concitoyens. Le président de la République me suit, bien sûr, sur cela. Ça passe par une extrême discrétion, et donc, en réalité, ces procédures n'ont pas à être rendues publiques, sauf une fois que la décision a été prise par le Conseil de l'Ordre, auquel cas la décision prise par le Conseil de l'Ordre fait l'objet d'un décret qui dit que la personne est suspendue ou exclue. Mais les gens n'ont pas à savoir avant que la décision ait été prise par le Conseil de l'Ordre, ou la décision, pardon, proposée par le Conseil de l'Ordre au grand maître, parce que c'est le grand maître qui décide de la sanction qui est prise. Mais je mesure bien à quel point c'est un sujet important, en particulier en ce moment, parce que la société évolue dans toutes les affaires de mœurs et toutes les affaires sexuelles. Voilà. Ça fait l'objet aussi d'une difficulté qui est liée au fait que les tribunaux n'alertent pas systématiquement l'ordre des décisions définitives qui ont été prises par la justice concernant tel ou tel décoré. Voilà. Alors qu'on devrait être alerté soit par la justice, soit par les préfectures. Donc là aussi, il faut que je fasse un rappel auprès des magistrats et auprès des préfets pour leur dire qu'une fois qu'un jugement définitif a été rempli, l'ordre doit être absolument alerté. Sachant que le code de la Légion d'honneur prévoit que si une personne a été punie à un an de prison ferme, elle est automatiquement exclue de l'ordre. Voilà, il n'y a même pas à discuter. Et donc, on a aujourd'hui une vingtaine d'affaires disciplinaires. Je pense qu'on va en avoir une trentaine par an bientôt qui font l'objet de traitements souvent très intéressants, très délicats par l'ensemble du Conseil des deux ordres, l'Ordre national du mérite ou l'Ordre de la Légion d'honneur. Voilà. Je pense que c'est important que vous mesuriez à quel point nous avons ce souci-là, évidemment en respectant la présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence, encore une fois, elle est respectée si le Conseil s'interdit d'étudier une affaire tant qu'elle n'a pas été jugée de manière définitive, ou que le Conseil, s'il s'agit d'une affaire qui ne fait pas l'objet d'une plainte, le fait en toute discrétion et sans la moindre publicité. Voilà. Je pense que c'est important de le savoir. Voilà, j'ai un peu dérivé, je vous prie de m'en excuser. Mais, voilà. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites et c'est très important. Continuez. En dehors de condamnation, est-ce qu'il vous est arrivé de rejeter un dossier qui vous arrive ? Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. Le Conseil de l'Ordre rejette 15% des dossiers proposés par les ministres. Comment est-ce que ça se passe ? Les ministres envoient les mémoires de proposition à la Grande Chancellerie. La Grande Chancellerie fait une étude, vérifie que le dossier soit conforme au code de la Légion d'honneur. C'est-à-dire, par exemple, que les 10 ans d'ancienneté de service pour l'Ordre national du mérite ou les 20 ans d'ancienneté de service pour la Légion d'honneur sont effectivement respectés. Voilà, il y a un certain nombre de conditions. Vérifie aussi, c'est le travail de la Grande Chancellerie, que ça correspond à la jurisprudence, que les mérites qui sont présentés sont suffisamment étayés pour qu'effectivement ils puissent être pris en compte. Une fois que la Grande Chancellerie a fait ce travail, et puis ensuite il y a une enquête d'honorabilité qui est faite. Et puis, par ailleurs, on interroge Bercy et le ministère de l'Intérieur pour bien vérifier que le casier judiciaire soit vierge et qu'il n'y ait pas de délicatesse avec les impôts, ce qui est un cas fréquent de rejet de mémoire. Voilà. D'avoir trop payé d'impôts. Voilà, d'avoir trop payé d'impôts. C'est également un sujet fréquent de décision disciplinaire du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur. Voilà. Une fois que ce travail est fait, les mémoires de proposition sont remis au rapporteur.
avec l'appréciation de la Grande Chancellerie. Le rapporteur est désigné pour un certain nombre de ministères. Il s'agit d'un membre du Conseil de l'Ordre qui est compétent dans la matière concernée. Ça veut dire que vous avez un représentant, un membre du Conseil de l'Ordre qui sera plus particulièrement compétent pour traiter des mémoires de la culture, par exemple. Au Conseil de l'Ordre national du mérite, aujourd'hui, c'est Amin Malouf, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et au Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, c'est Madame Brigitte Lefebvre, qui est ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris. On va évidemment avoir un magistrat au Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, c'est le président Cotte, qui est un ancien président de la Cour de cassation, qui va traiter des dossiers du ministère de la Justice. C'est un préfet qui va traiter des dossiers du ministère des... Voilà. C'est une ambassadrice à qui j'ai demandé récemment de rentrer au Conseil de l'Ordre, Madame Valérie Berman, qui va traiter des dossiers des affaires étrangères. Donc le rapporteur prend ces dossiers et les étudie, ses mémoires, et ensuite rapporte devant le Conseil lors de séances qui sont dédiées en disant... Ben, je suis d'accord ou pas avec ce que dit la Grande Chancellerie, et donc je vous propose de retenir ou de ne pas retenir telle ou telle mémoire. Ça peut faire l'objet soit d'une acceptation pure et simple du Conseil, soit de discussion, et ensuite les propositions sont faites au président de la République après que le Conseil ait accordé ou ait statué de façon définitive. Voilà comment ça se passe. Ça conduit quand même à rejeter... entre 12 et 15% des mémoires de propositions qui sont faites par les ministres. Soit les rejeter purement et simplement, soit les ajourner, en disant la personne est un peu jeune, son ancienneté de service est limite, les mérites paraissent un peu courts, et le Conseil de l'Ordre a décidé de ne pas donner suite. Ce qui est frappant, c'est que la diminution du nombre de propositions qui a été voulue, des contingents qui a été voulu par le président, n'a pas du tout permis de diminuer cette attrition-là. Donc en réalité, on n'a pas eu de meilleur dossier et le Conseil de l'Ordre a continué à rejeter un pourcentage même un peu plus important qu'auparavant. Voilà comment ça se passe. Il y a une autre procédure qui consiste, une fois qu'un décret est paru qui désigne les personnes qui doivent rentrer dans l'Ordre, encore faut-il qu'elles rentrent dans l'Ordre, donc qu'elles soient reçues par une personne décorée. Or, il peut arriver qu'il y ait des défauts d'honorabilité entre la parution du décret et la rentrée dans l'ordre de la personne. Voilà. Il y a un code de procédure du Code de la Légion d'honneur qui prévoit qu'à ce moment-là, on puisse faire paraître un décret qui annule le décret par lequel la personne avait été désignée dans l'ordre. Voilà. Décidément, je vais donner la parole maintenant à Christian Girard, représentant le Rassemblement national. Hop. Appuyez sur votre micro. Ça y est, il est bien rouge. Je ne vais peut-être pas reprendre. Comme vous nous l'avez rappelé, l'implication des trois ordres nationaux dans la cohésion nationale et la défense globale participe en effet non seulement à la reconnaissance de ceux qui se sont distingués dans les services éminents rendus à la nation, mais il constitue un véhicule essentiel à la diffusion et rayonnement du lien armée-nation auquel nous sommes tous très attachés. Nous le voyons régulièrement dans nos circonscriptions avec les anciens combattants. Les décorations consacrent des états de service et des participations au combat. Elle joue un rôle structurant dans les armées et dans le monde d'anciens combattants, d'autant qu'elle s'accompagne souvent de primes spécifiques. Cependant, j'aurais voulu vous interroger sur une remontée importante du terrain, nombre de médailles militaires qui peuvent prétendre à la Légion d'honneur et dont les dossiers sont diligentés par les différentes chancelleries. Se voir remettre l'ordre national du mérite dont le rang hiérarchique est inférieur à la plus haute distinction des titulaires. La rouge, distinction d'excellence depuis le premier empire, semble difficilement atteignable pour ceux qui ont été engagés en service commandé, à moins de l'obtenir au prix ultime du sang. J'aurais voulu recueillir votre avis sur cette redirection, et notamment les raisons pour lesquelles cette pratique est-elle devenue courante au sein de la Grande Chancellerie. Enfin, afin de renforcer au mieux la cohésion nationale et de faire participer les plus jeunes au devoir de mémoire, de nombreux anciens combattants souhaiteraient
que les descendants des récipiendaires puissent porter à titre honorifique la décoration d'un parent sur la poitrine droite, comme c'est le cas dans d'autres pays comme au Royaume-Uni. Une telle mesure serait-elle bénéfique pour la cohésion nationale d'autoriser cette dérogation au port des médailles ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette question. D'abord, je suis au courant de ces remontées de terrain parce que le président de la SNEM m'a à plusieurs reprises attiré mon attention sur les plaintes de gens qui considéraient d'abord qu'il y avait moins de médailles militaires qu'avant, ce qui n'est pas vrai, mais j'y reviendrai, et ensuite qu'ils avaient des difficultés à accéder à la rouge. Bon. Le premier point sur il y a moins de médailles militaires qu'avant, c'est pas vrai. Il y en a proportionnellement même, je dirais, plutôt plus qu'à l'époque de l'armée de la conscription. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on a été une armée très engagée en opération extérieure. Et donc le contingent n'évolua pas de façon très importante, voire diminua un peu. On a arrêté de donner des médailles militaires à l'ancienneté. Parce qu'on donnait des médailles militaires à des gens qui étaient cités au combat. Et que le fait d'être cité au combat a asséché une partie des médailles militaires qui auparavant étaient dévolues à des sous-officiers anciens, adjudants, adjudants-chefs, arrivant en fin de carrière. Voilà. Donc je le regrette et en même temps, je ne trouve pas que ce soit anormal qu'on aille plutôt récompenser des gens cités prioritairement à des gens qui ont simplement le mérite de l'ancienneté. Donc ça, c'est la première chose que je réponds d'ailleurs au président de la SNEM. Quand on me dit que les gens ont du mal à accéder à la rouge ou à la bleue d'ailleurs, d'abord l'ordre national du mérite, c'est une très très belle décoration. Enfin, je trouve ça absolument scandaleux que des gens disent « Ah, mais c'est que la bleue enfin, !» mais pour qui se prennent-ils quoi Moi, il se trouve que j'ai commencé par avoir la rouge au feu. Bon, j'étais très jeune, mais je sais pourquoi je l'ai eue et pourquoi on me l'a remise. Mais ensuite, on m'a remis la bleue qui était la décoration de mon père, qui était sous-marinier, qui avait commandé un SNLE et qui n'avait pas eu la rouge, et qui est mort jeune. Et j'étais tellement fier qu'on me remette la bleue que dire « Oh, ça n'est que la bleue », je trouve ça presque choquant, pour être tout à fait honnête. Ensuite, il y a effectivement des critères très sévères et très précis qui permettent d'éviter surtout des injustices ou des différences de traitement. Et donc, effectivement, le nombre de citations, l'ancienneté, le nombre de séjours sont pris en compte pour décider de promouvoir quelqu'un de la médaille militaire à l'Ordre national du mérite dans un premier temps, et puis ensuite à la Légion d'honneur dans un deuxième temps, s'il y a eu des mérites nouveaux qui justifient que cette personne puisse avoir la Légion d'honneur. Voilà. Moi, objectivement, ça ne me choque absolument pas. Et que le fait de passer directement de la médaille militaire à la Légion d'honneur soit rare, et soit le fait de gens qui ont eu des citations importantes, ça me paraît tout à fait normal. Je rappelle que la médaille militaire est placée avant l'Ordre national du mérite, dans l'ordre hiérarchique des décorations nationales. Voilà. Donc très honnêtement, ça ne me choque absolument pas. Je rappelle à mes camarades officiers, sous-officiers, officiers issus du rang, sous-officiers ou militaires du rang, que c'est vrai qu'on a été une armée très engagée. Et donc aujourd'hui, on a plus de jeunes combattants qu'avant qui ont la médaille militaire. Par ailleurs, je considère que, pour être tout à fait honnête, il y a eu une déviation, une perversion, entre guillemets. La médaille militaire, c'est la Légion d'honneur des sous-officiers et des militaires du rang. Les hommes que j'ai perdus quand je suis monté à l'assaut en ex-Yougoslavie, ils sont morts au combat en montant à l'assaut, ils ont eu la médaille militaire. Ils n'ont pas eu la Légion d'honneur. Quand je suis arrivé au cabinet du ministre comme colonel, c'était à l'époque du président Sarkozy, il y a eu des revendications de gens disant « Mais attendez, pourquoi est-ce que les militaires du rang et les sous-officiers n'auraient pas la Légion d'honneur alors que les officiers l'ont ?» Peut-être, mais les officiers n'avaient pas la médaille militaire. Et donc on a dit « Très bien, donc on va donner la Légion d'honneur aussi. » Donc on donne la médaille militaire et la Légion d'honneur aux sous-officiers et aux militaires du rang qui sont morts dans l'exercice, morts au champ d'honneur. Voilà. Du coup, on donne plus qu'aux officiers, et surtout, on a dévalorisé la médaille militaire. Vous savez bien qu'avant, la médaille militaire, c'est la plus haute distinction qui puisse être donnée à un officier, c'est la médaille des maréchaux de France.
Il faut avoir commandé une armée devant l'ennemi pour être décoré de la médaille militaire quand on est un officier. Je rappelle que Foch ne portait que la médaille militaire, le maréchal Pétain aussi, le maréchal Joffre aussi, et qu'il la portait, et dans ce cas-là, on la porte avant la Légion d'honneur. Il n'y a malheureusement plus d'officiers en activité qui aient la médaille militaire, mais qui est une décoration absolument magnifique. Et il faut que nous fassions attention à ce que cette décoration ne soit pas dévalorisée. Je pense que c'est vraiment important. Donc je rappelle la distinction, si vous voyez un officier issu du rang avoir la médaille militaire et la Légion d'honneur, il portera la médaille militaire après la Légion d'honneur. Et en revanche, s'il l'a eu en tant qu'officier, mais ça n'existe plus, il la porte avant la Légion d'honneur. Voilà. Enfin, le travail d'un grand chancelier, objectivement, c'est de lutter constamment contre toutes les bonnes idées de tous les politiques, certains ministres en particulier, qui veulent créer de nouvelles décorations, de nouvelles occasions de port, etc. Bon. Vous voyez bien que le président de la République, lui, a eu à cœur, et à mon avis de façon trop sévère, et on revient dessus aujourd'hui, de limiter la surenchère des décorations et la surenchère de Légion d'honneur et de Bande nationale du mérite. Mais je pense que si on crée trop de décorations ou trop d'occasions de port de décorations, on va aussi brouiller le sens de ce qu'on fait. Et je ne suis pas, moi, favorable au port de l'autre côté, même lors d'une cérémonie, d'une décoration. Alors ça se fait aujourd'hui pour les compagnons de la Libération. C'est une exception, ce sont les compagnons de la Libération. Voilà. J'ai peur que si on l'accorde à tous les descendants, on n'en finisse pas. Donc je n'y suis pas favorable. Je me souviens, j'ai beaucoup été en Afrique. Quand on était en Afrique, les décorations se transmettent de père en fils. Et donc quand on était au 11 novembre en Côte d'Ivoire ou au Gabon, on faisait des cérémonies, on invitait tous les anciens combattants. Et donc on avait des messieurs vénérables absolument extraordinaires qui avaient été tirailleurs sénégalais, qui avaient fait la Première Guerre mondiale, des anciens couverts de gloire et d'honneur qu'on respectait infiniment. Puis on voyait des jeunes gens, des très jeunes gens qui venaient à la cérémonie, au buffet de la cérémonie, et qui, eux, en fait, portaient les décorations de leurs arrière, de leur grand-père, parfois de leur arrière-grand-père. Voilà. Donc je pense que c'est une tradition africaine, mais je ne pense pas qu'il faille que ça devienne une tradition nationale française. Voilà. Je vais laisser la parole à Aurélien Saint-Toul pour La France insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général, de votre propos, puisque nous ne sommes pas très nombreux. Je crois qu'on peut procéder d'une façon quasi conversationnelle, si vous me permettez. À titre personnel, et je crois que mes collègues de La France insoumise partageront cette appréciation, effectivement, nous sommes d'accord pour dire que la société est plus capable de se défendre si les mérites en son sein sont reconnus et sur la base de critères partagés. Et à ce titre, votre audition est la bienvenue. Pour apporter peut-être un élément de réponse à la question que vous avez formulée sur l'émoi qu'ont pu susciter les propos du président de la République, je voudrais... moi, à faire au moins deux hypothèses, puisque je crois que ma famille politique fait partie de ceux qui, ou de celles qui ont pu faire entendre une forme d'émoi. Je dirais que pour répondre à la question comment serions-nous arrivés à être ainsi désarmés, je crois qu'il y a des faits très objectifs, dont la responsabilité incombe plutôt à d'autres forces politiques qui aujourd'hui semblent redécouvrir la guerre qu'aux nôtres. Je crois qu'on s'est objectivement désarmé avec la fin de la conscription, avec des coupes budgétaires, au moins de 2007 à 2015 minimum. Donc il n'est pas étonnant que le reste de la population, ou que la population à qui on a dit pendant des années que le sujet guerrier ou le budget militaire n'avait pas lieu d'être, etc., et acquis la conviction que la guerre était une affaire lointaine et peut-être révolue. Et en revanche, je vois un grand bon sens chez celles et ceux qui observeraient, par exemple, qu'avec 20 000 hommes déployables, comme l'affirme le CEMAT dans une tribune récente, il ne soit pas très raisonnable de penser à un déploiement au sol en Ukraine, alors que les Ukrainiens eux-mêmes concèdent avoir perdu au moins 31 000 hommes en 2 ans de guerre.
Évidemment, ça ne dit pas quelle forme d'opération aurait lieu, mais les ordres de grandeur sont quand même de nature à tempérer les enthousiasmes belliqueux. Par ailleurs, je crois que du point de vue intellectuel, il faut faire, à mon avis, ou en tout cas il existe chez ceux qui ont ces émois, une distinction entre les intérêts et les valeurs. Évidemment, si l'on croit que la guerre en Ukraine est d'abord une guerre de valeurs, peut-être qu'on peut arriver à la conclusion qu'il faut livrer un combat, notamment au sol, et s'engager indépendamment de la volonté d'autres éventuels alliés, etc. Je ne veux pas monopoliser la parole sur le sujet, mais je crois que ce sont des choses qui sont importantes, des notions qui sont importantes à mobiliser, et qu'on ne peut pas simplement déplorer l'idée que la population se serait désarmée moralement, intellectuellement, psychologiquement, au sujet de la guerre. Je crois que le débat public pourrait s'approfondir sur ces sujets-là, et que critiquer d'une certaine façon simplement les propos du président ne revient pas à avoir poussé des cris d'orfraie. Pour ce qui est du sujet qui nous occupe spécifiquement, la Légion d'honneur et les différentes distinctions, vous l'avez dit, je crois qu'il y a trois sujets qui affectent leur crédibilité. Il y a l'idée de l'entre-soi, de la récompense d'un petit milieu, celle de l'automatisme et puis celle probablement de la superficialité. Le fait est que de nombreuses affaires ont défrayé la chronique ou défraient régulièrement la chronique, et que l'exemplarité des personnes qui ont été promues n'est pas toujours évidente. Je pense à Abdel Fattah al-Sissi, le dictateur égyptien. Je crois qu'on a un grave problème lorsque des personnalités qui ont notoirement porté atteinte aux droits humains sont considérées comme de grands représentants sont considérées comme des personnes ayant rendu d'insigne service à la nation française. Je pense à quelqu'un comme Patrick Cron, qui a bradé Alstom, qui a plaidé coupable aux États-Unis, mais qui, pour n'avoir jamais été condamné en France, n'a sans doute jamais fait l'objet d'une procédure, mais peut-être pourrez-vous me démentir. Et je peux donner d'autres exemples. Peut-être pourrez-vous me donner l'issue de la procédure qui pourrait avoir été diligentée dans le cas de l'affaire Bansard, qui implique cette fois-ci même votre prédécesseur. Est-ce que dans l'affaire Bansard, M. Puga, ou le général Puga, a-t-il eu affaire à une enquête interne? Je pense que ce serait utile de le savoir. Enfin, un troisième aspect, et je m'arrête là, vous le savez peut-être, je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur la télévision. Et quelque chose me frappe dans votre intervention, et vous avez raison, je vous donne entièrement raison. Vous disiez que nous avions un manque de modèles ou d'exemples. Ou alors, pour ma part, je dirais qu'on a peut-être des exemples qui ont un peu baissé de qualité. D'une certaine façon, la Troisième République, la Quatrième et les débuts de la Cinquième se donnaient peut-être Marie Curie pour modèle, et les grands médias permettaient peut-être de véhiculer ce genre d'image. Je crains que Marie Curie ne soit pas exactement le modèle qu'on donne aux petites filles aujourd'hui. Est-ce que vous avez vis-à-vis des médias une action particulière, ou vous pourriez avoir une action particulière en tant que grand chancelier afin de promouvoir des modèles à la fois consensuels et peut-être en même temps plus stimulants que certains qui nous sont donnés aujourd'hui dans le débat public? Merci beaucoup, monsieur le député, pour ce mode conversationnel et vos remarques. Au passage, une petite remarque idiote, hein, mais on dit mon général et pas général. C'est un truc de journaliste, mais journaliste général. Non, c'est quand on est un homme, quand on s'adresse à un officier général, on dit mon général. Autrement, vous pouvez m'appeler monsieur, ça ne me dérange pas. Alors, quand une femme s'adresse à un officier général, elle dit général. Quelques remarques. Vous parlez des armements budgétaires, de déconstruction de l'appareil de défense français. Je pense que tous les partis politiques y ont participé. Il y a une sorte d'unanimisme. Voilà. Et que malheureusement, c'est comme ça. On a tous, tous bords politiques confondus, voulu bénéficier des dividendes de la paix. C'est comme ça. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se soient élevés contre ça. Mais bon. Vous parliez d'un débat public, je suis d'accord avec vous. Ce qui me frappe, moi, c'est la difficulté qu'il y a à alimenter ce débat. Est-ce que, pardonnez-moi de le dire,
le choix de la commission de défense de l'Assemblée nationale est le premier choix chez les députés qui sont élus. Dans votre cas, oui, bravo. Mais je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas. Moi, j'ai toujours voulu débattre avec les députés de la commission de défense et j'ai toujours été très heureux de les rencontrer et de discuter avec eux. Mais voilà. Ce qui a été créé par le président Sarkozy, notamment l'article 35 qui permet, en particulier lorsqu'on déclenche une opération, de faire une information au Parlement, est une très bonne chose. Normalement, je crois que cet article 35 prévoit également qu'au bout de 4 mois d'opération, il y a à nouveau un débat au Parlement, exigez-le. je pense, quant à moi, effectivement, même si j'ai toujours été très attaché à la stricte subordination du chef d'état-major des armées au président de la République, chef des armées, je pense que effectivement, ces opérations, ces engagements doivent faire l'objet de débats, parce que s'il n'y a pas de débat, on n'attire pas l'attention de l'opinion publique. Voilà. Ce dont je peux témoigner, c'est que je n'ai jamais vu aucun militaire se dérober à ce type de débat et que je n'ai jamais vu aucun des ministres en charge, en tout cas pas Madame Darrieussecq, se dérober à la possibilité d'un débat. Voilà. Donc oui, c'est un travail que nous devons tous faire pour entretenir un débat sur ces sujets-là. Je suis d'accord avec vous, ça me paraît vraiment très important. Sur l'affaire de l'Ukraine, je ne parle pas de l'Ukraine. Je veux simplement dire que ce qui m'avait frappé, c'était de voir les gens dire, avec encore une fois des préoccupations morales évidentes, on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà. Et donc on ne combat pas par procuration. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Et donc il me semble que cette prise de conscience devrait nous permettre de mesurer la gravité des choses et d'éviter ce type de proclamations morales qui ne servent à rien. Voilà. Est-ce que je suis prêt à les combats ? Est-ce que je ne suis pas prêt à y aller ? Est-ce que je considère qu'il faut que je me fasse tuer ou que mes compatriotes se fassent tuer ? Ou est-ce que je considère qu'il ne faut pas qu'il y aille ? Et à ce moment-là, on part sur des bases saines de discussion et on argumente en disant les raisons pour lesquelles il faut ou il ne faut pas se faire tuer. Mais dire « faisons-nous tuer la main sur le cœur jusqu'au dernier des Ukrainiens », il y a une forme d'hypocrisie qui me paraît ahurissante. Voilà. Et que, encore une fois, c'est pas les politiques que j'ai entendu faire ces déclarations de ce type-là, c'est les commentateurs de tous ordres. Voilà. Donc ça m'a dérangé. Vous évoquez l'exemplarité, vous me parlez du maréchal Sissi, etc. Bon. D'abord, ce sont des décorations particulières, qui ne sont pas des décorations remises en accueillant les gens dans un ordre. En fait, ce qui est important à bien comprendre, c'est que quand on décerne la Légion d'honneur à quelqu'un ou l'Ordre national du mérite, c'est pas la breloque qui compte, c'est pas l'insigne qui compte, même s'il faut et que je souhaite que les personnes qui font partie de l'ordre arborent cet insigne. C'est le fait qu'ils rentrent dans un ordre. Et c'est ça qui est important. Ils s'associent à une communauté qui se définit comme une élite du service du bien commun et une élite du service de ses compatriotes. Voilà. Les décorations qui sont remises à l'étranger n'obéissent pas à cette logique-là. Les décorations remises à des étrangers se font de deux façons, mais jamais en accueillant quelqu'un dans l'ordre, soit lors de visites protocolaires, et ça c'est une pratique internationale qui existe depuis toujours, et qui fait que lorsque M. Zelensky vient, le président de la République décide de lui remettre les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur, et c'est un instrument d'une grammaire de relations internationales. Voilà. J'ai reçu hier des journalistes du monde diplomatique qui préparent un article sur un grand papier sur les ordres nationaux. Ils disaient « Pourquoi n'a-t-elle pas été retirée à Poutine ou à Sissi ?» C'est une grammaire. Voilà. Et c'est au président de la République et à lui seul de décider de la façon dont il joue avec ce vocabulaire et avec cette grammaire-là. Et je faisais remarquer aux journalistes qu'on ne l'a pas retirée à Poutine, mais on l'a remise à Zelensky. Pourquoi le président Zelensky ne l'a-t-il pas refusé ? Il aurait pu dire, attendez, vous foutez de moi, vous l'avez remise à M. Poutine et vous me la remettez à moi, je la refuse. Non. Donc ce sont des sujets de relations diplomatiques pour lesquels moi je ne m'estime pas en position de porter de jugement et d'appréciation pertinente. Ensuite, c'est vrai que, je vous l'ai dit, l'exemplarité est importante et nous cherchons absolument à la faire respecter. Et je vous l'ai dit, c'est soit parce qu'il y a un scandale public évident et qu'il y a eu des propos ou des preuves ou des démonstrations qui font que, évidemment, cette personne a un comportement scandaleux.
soit il y a une action en justice. Et que l'action en justice, paradoxalement, tant qu'elle n'est pas, tant qu'elle ne débouche pas sur un jugement définitif, gèle l'action du Conseil de l'ordre. Voilà. Sur des affaires évidemment scandaleuses, ben, c'est toujours délicat et le Conseil instruit un certain nombre d'affaires sans que vous soyez au courant. Et ça me semble nécessaire, parce que je l'ai dit, la discrétion est essentielle. Et ensuite, fait des propositions au grand maître. Je ne crois pas que M. Tron ait fait l'objet de la moindre, aujourd'hui, instruction par le Conseil de l'Ordre. Voilà. Ensuite, l'affaire Bansard, c'est l'article de Mediapart. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai lu les articles de Mediapart. Voilà. Et j'ai répondu d'ailleurs aux journalistes de Mediapart que les personnes qui ont été recommandées sur la... qui ont été décorées et qui ont été reçues dans les ordres sur recommandation de M. Bansard ont eu des mémoires parfaitement constituées et qui mettaient en évidence leur mérite et lesquelles mémoires ont été présentées au Conseil de l'Ordre et ont été jugées comme devant être effectivement reçues dans les ordres. Voilà. Et moi, j'encourage les députés, les sénateurs, vous le premier, à me faire des propositions et à utiliser cette initiative citoyenne. C'est vraiment important. Si ne le font pas, alors que vous êtes... de vos électeurs, ben personne ne le fera bien. Et ce complément est indispensable. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire sur l'affaire Bansard. Je veux simplement dire quand même, il y a un sujet aujourd'hui dans les décorations des étrangers. C'est que c'est un moyen de soft power pour la France qui est absolument essentiel. Et que malheureusement, nous ne sommes pas très bons aujourd'hui. Voilà. Parce que nous ne conservons pas la mémoire des gens qui ont été décorés. Que les postes diplomatiques, que les consulats ne parviennent pas à conserver cette mémoire. Que, par ailleurs, comme les décorations à des personnes étrangères ne font pas l'objet de publication journal officiel, si on n'alerte pas les postes diplomatiques qui ont fait les demandes que les personnes sont décorées, en réalité, ils la prennent trop tard, par hasard, et donc on perd toute une partie du bénéfice de ces ordres qui sont remis à l'étranger. Donc moi, je vais travailler à ce qu'on établisse des listes et qu'on sache quels sont les gens qui, quand ils ont été décorés, sont en réalité des amis de la France, qui servent les intérêts de la France, qui défendent nos valeurs, notre vision des choses. Et donc il faut que ces communautés qu'on crée à l'étranger, même si elles n'appartiennent pas à l'ordre, soient identifiables. Voilà. Donc ça, on y travaille. Et sur les médias, la question sur votre volonté éventuellement d'agir. Ah mais moi, si vous voulez, en fait, ce que je trouve désolant, c'est que je vous ai parlé d'une perception par l'opinion publique. La réalité, c'est que bien sûr, on rejette des mémoires. Bien sûr, il y a des gens puissants et riches, mais il y a aussi des gens remarquables. Chaque fois qu'il y a une promotion de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite, le service de communication de la Grande Chancellerie envoie à tous les journalistes, à l'AFP, la liste des gens et fait des portraits de gens méconnus, qui ne sont pas des célébrités, qui sont des gens admirables par leur dévouement. Ça n'intéresse personne. Et regardez les dépêches de l'AFP qui servent ensuite à tous les médias. Vous avez les célébrités, tel homme d'affaires qui a été tel grand industriel qui est grand croix, tel acteur qui est machin. Les petites gens n'intéressent pas les gens. Voilà. Et par ailleurs, allez regarder dans les décrets toutes les personnalités, notamment du secteur associatif, notamment du monde des sciences, de l'université, etc. Tout cela est en plus répertorié par ministère. Vous avez des personnes absolument admirables et vous avez une absolue parité. Voilà. Donc, je peux le dire aux médias, il faut que vous le disiez. Ça ne nous intéresse pas de savoir que M. Arnault a eu la Grand Croix de la Légion d'honneur. On s'en fout, ce n'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce que. C'était, pardonnez-moi le terme, mais les journalistes du monde diplomatique m'emmerdaient en me disant mais alors, Bernard Arnault, mais c'est pas le sujet. Et pourquoi c'est que Bernard Arnault ? Mais c'est pas Bernard Arnault. Est-ce que vous êtes capable de vous intéresser aux personnes dont je vous cite les noms ?
et dont je vous propose les portraits, qui sont des petites gens, des gens extraordinaires, tel scientifique qui a fait telle chose remarquable, tel petit patron de PME à tel endroit, tel président d'association à tel endroit, etc. Et alors là, la question, c'est oui, mais alors est-ce qu'un ouvrier a autant de chances qu'un patron d'avoir la Légion d'honneur? Et est-ce qu'un simple bénévole a plus de chances ou autant de chances qu'un président d'association d'avoir la Légion d'honneur? Non, je suis désolé. Mais c'est comme ça. La Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite, c'est aussi une élite. Donc, je pars du principe que c'est plutôt le président d'une association qui aura commencé par militer dans cette association, qui ensuite se sera engagé dans le bureau de l'association, qui aura consacré plus de temps, qui est plus méritant que celui qui est le simple bénévole. Voilà. Et il sera rarement président s'il n'a pas été préalablement bénévole. Quant à récompenser ou distinguer un ouvrier, je pense qu'un ouvrier qui aura un engagement syndicaliste, qui aura donné du temps et de l'énergie pour ça, il est plus méritant que l'ouvrier qui vient simplement travailler. Alors ça peut paraître injuste, mais moi, je ne vois pas comment faire autrement. Voilà. C'est comme ça. Mais croyez-moi, il y a plein de modèles, plein d'exemples. Et par ailleurs, pour terminer sur ça, on a un musée de la Légion d'honneur. J'espère que vous l'avez visité. C'est gratuit. N'hésitez pas à y aller. Un très très beau musée qui a un défaut, c'est un peu trop un musée de chez Chaumet. Voilà. C'est un musée de phaléristique qui est une véritable splendeur avec des décorations extraordinaires, des ordres internationaux magnifiques, un manteau de l'ordre du Saint-Esprit, etc. Et j'ai demandé à ce qu'on révise ce musée. Et donc mon projet, je vais recruter un conservateur là dans les semaines qui viennent. Je lui fixe un plan d'action après avoir réuni un comité d'experts du Centre Pompidou, d'Orsay, etc., pour proposer un plan d'action. Je veux qu'on incarne plus les valeurs et qu'on montre des personnalités qui incarnent ces valeurs, qui sont des personnalités décorées, femmes et hommes, plus que montrer des décorations et des très beaux objets. Donc on va y travailler. C'est aussi un moyen de communiquer. Voilà. Et puis je rappelle, c'est la stricte parité, la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite. Donc on a plein de femmes à proposer. Voilà. Et puis vous n'ignorez pas qu'il y a les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, où là, il n'y a que des filles, par définition, que chaque année, nous avons une distribution des prix, que cette distribution des prix est présidée en général par une femme qui vient faire un discours et qui, là aussi, se propose comme exemple à nos jeunes filles. Voilà. Vous savez que notre future astronaute, dont vous connaissez sûrement le nom, Sophie Adnaud, est décorée et également ancienne demoiselle des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Voilà. Merci. Madame la ministre, vous allez nous parler au nom des démocrates. Merci, monsieur le président général, puisque je suis une femme. Mais j'aime bien dire mon général aussi, mais je sais que c'est réservé aux garçons. Pas le sens de l'appropriation, quand même. Ça veut dire monsieur. Au nom du groupe démocrate, d'abord je vous remercie sincèrement pour ces échanges en définitive à bâton rompu et qui sont très intéressants. Vous avez commencé votre propos par des choses qu'on ne peut qu'approuver aujourd'hui. L'ordre du monde fondé sur le droit est remis en cause, oui, depuis longtemps et est en train actuellement de disparaître en définitive, puisque les droits internationaux disparaissent et tout le monde, en tout cas, s'en affranchit ou beaucoup s'en affranchissent, les rendant très fragiles. Et vous avez parlé de désarmement des esprits, de disqualification de la guerre et quelle va être nos capacités à défendre nos valeurs et à nous réarmer psychologiquement. Je crois que c'est véritablement un enjeu majeur, un tableau tout à fait réaliste que vous avez dressé. Et il y a eu des débats autour le réarmement, ce n'est pas qu'un réarmement militaire. Le réarmement d'une nation, ce n'est pas qu'un réarmement militaire. C'est aussi effectivement un réarmement psychologique. Et un réarmement psychologique, c'est être tous tendus vers un même objectif, être solidaire dans cet objectif et faire preuve aussi de résilience dans la vie de la cité pour pouvoir atteindre collectivement cet objectif. Donc, je pense que nous avons dans ce domaine-là beaucoup de travail à faire encore dans une société qui est une jeunesse qui, moi, je trouve assez formidable dans ses engagements. Donc, je crois que nous pouvons quand même
Moi, je fonde beaucoup d'espoir dans le fait que notre société va avancer vers un réarmement psychologique tout à fait efficace. Où à sa place, où ont leur place toutes Légion d'honneur, Ordre national du mérite, puisque c'est ça en fait notre débat d'aujourd'hui. Bien entendu, ces distinctions, elles obligent, je crois, ceux qui les détiennent. Elles les obligent, bien sûr, à l'honorabilité, à l'exemplarité. Elles les obligent personnellement, mais elles les obligent aussi sociétalement. Et la question, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, bien entendu, que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est compte tenu de l'attrition progressive du nombre de récipiendaires dans ces ordres et donc de leur présence dans la société, de l'âge qui est quand même important. Et puis, quand il faut 20 ans de service pour la Légion d'honneur, on n'est pas jeune, quand on, à part si on est sportif et qu'on a gagné la Coupe du Monde. Mais voilà, on n'atteint pas de... il faut quand même avoir servi, et c'est légitime, hein, justifié. 10 ans pour l'Ordre national du mérite, bon, c'est plus accessible directement. Moi, je souhaiterais vraiment savoir comment transmettre ça à la jeunesse. Quelles sont les valeurs de cette reconnaissance, de ces reconnaissances de la nation, pour que ça en fasse un moteur aussi pour notre jeunesse. Alors, bien entendu, les récipiendaires sont souvent en association dans nos départements, associations locales, qui sont plus ou moins actives. C'est le cas de toutes les associations, mais dans le mien, particulièrement active, auprès de la jeunesse, qui vont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui remettent des prix pour des lycéens méritants, qui, bien sûr, sont dans toutes les cérémonies patriotiques. En fait, ils font la promotion un petit peu des valeurs que représente l'ordre et les ordres. Et je crois que c'est une... auprès de la jeunesse. Comment arriver à améliorer encore cette transmission auprès de nos jeunes? Quelle est l'importance, je veux dire, moi je pense que dans un réarmement psychologique, il faut comprendre qu'il y a aussi, voilà, disons, des personnes très méritantes, des modèles, des personnes qu'on a envie de suivre, des personnes que l'on a envie d'égaler. C'est important pour la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure de Marie Curie, vous avez raison. Je ne parle pas que de militaires ni de sportifs. Ça peut être aussi dans la vie économique, dans des professeurs à l'école qui sont des personnes qu'on a envie de suivre et notre société a besoin de ce type de personnes. Donc comment toucher plus la jeunesse de façon positive, qu'ils ne pensent pas que c'est un système qui ne les concerne pas, voir que c'est quelque chose de has-been, ancien, voilà, où ils ne se sentent pas. Comment redonner ou comment donner auprès de la jeunesse tout simplement la valeur, leur expliquer quelle est la valeur des ordres et de ces distinctions qui sont données, afin que ça en fasse un peu pour eux des phares dans leur vie et qu'ils aient envie de se mobiliser. Voilà, bon, c'est une question très simple. Je crois que la présence dans la société est très importante et reconnue par beaucoup de personnes qui connaissent les ordres et qui suivent un petit peu tout cela. Mais moi, c'est à la jeunesse que je voudrais m'adresser, parce qu'on a une jeunesse qui sait s'engager dans des tas de sujets, qui sait s'engager... pour l'environnement, qui sait s'engager contre les discriminations, qui sait s'engager dans les armées, qui sait s'engager... Voilà, il y a une jeunesse qui s'engage. Mais je crois qu'il faut, pour réarmer psychologiquement notre société, que ça passe par les jeunes. Parce que les jeunes, ils parlent aux parents aussi, qui sont désarmés quelquefois, et ils sont très influents sur leurs parents. Merci, Madame la Ministre. Je ne peux qu'être d'accord avec vous.
D'abord, il y a une fondation qui a été créée par le général Kelch, qui était le grand chancelier de la Légion d'honneur, qui précédait le général Georgelin, qui s'appelle la fondation Un Avenir Ensemble, qui est une fondation qui a été créée pour donner l'opportunité à des décorés de parrainer des jeunes gens méritants qui sont issus de milieux modestes et qui, parce qu'ils sont méritants et qu'ils ont l'envie de progresser, peuvent faire des études supérieures. Et donc, cette association, cette fondation pardon, que je préside aujourd'hui, qui est présidée par le grand chancelier de façon automatique, a aujourd'hui un encours d'un millier de jeunes gens qui sont parrainés assez longtemps, c'est-à-dire un parrainage qui dure 8 ans. Il y a un accord avec l'éducation nationale qui fait que les recteurs d'académie, en liaison avec les proviseurs, proposent à certains de leurs élèves d'accéder à ce dispositif. Ils sont donc parrainés par un décoré et ils bénéficient de bourses et d'aides qui sont données par la fondation pour lesquelles moi je recherche en permanence des mécènes. Donc ça c'est une première réponse. D'ailleurs la SMLH s'engage à soutenir, à appuyer et accompagner l'action de la fondation Un Avenir Ensemble. Voilà, c'est une réponse, il y en a sûrement d'autres. En tout état de cause, ce qui me paraît évident, mais je l'ai dit, vous avez raison, il y a une diminution du nombre de décorés. Enfin, c'est de réaugmenter ce nombre de décorés et d'essayer de les rajeunir. Donc ça, les décisions récentes du grand maître me font espérer qu'on va y arriver. Mais encore une fois, ça ne peut se faire, et en particulier grâce à l'initiative citoyenne, que si chacun de nous se sent concerné et va chercher les profils qui sont intéressants. Et les profils qui sont intéressants parce que précisément, ils seront en contact de la jeunesse. Donc je vous renvoie la balle, Madame la Ministre. Vous êtes à la fois élu et décoré. Et donc prenez la balle, surtout à Mont-de-Marsan, on sait jouer au rugby. Donc voilà. Ensuite, sur l'armement, pardonnez-moi, je sors de mon rôle de grand chancelier de la Légion d'honneur, moi. En fait, on n'a pas réussi à faire ce qu'on aurait dû faire, nous, les armées, quand la fin du service national que vous déploriez tout à l'heure est survenue, ou la suspension du service national. Les armées ont disparu du paysage. Ce qu'elles faisaient dans les opérations extérieures n'intéressait personne. Et quels qu'aient pu être les efforts que nous avons consentis, nous n'avons pas réussi à faire prendre conscience de la gravité de ce que faisaient les armées au nom de leurs concitoyens. On revient aussi sur le débat. Voilà. Et ce que je dis aux gens, le sujet, ce n'est pas pourquoi vos soldats meurent, c'est pourquoi vos soldats tuent en votre nom. Parce que quand un soldat tue, au risque de sa vie, il engage la responsabilité de ses concitoyens. Et donc, qu'est-ce qui vaut qu'on le fasse ? Voilà. Et ça, je trouve que nous n'avons pas assez posé cette question-là, qui vraiment pose toute la gravité de l'acte guerrier et donc fait poser la question à nos concitoyens, ou devrait faire poser la question à nos concitoyens, de... Quelles sont les valeurs qui vaillent, non pas seulement que je risque ma vie, mais que j'aille jusqu'à commettre l'acte qui est le tabou absolu, qui est de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est au cœur du métier militaire, c'est au cœur des armées, vous le savez, on en avait déjà discuté, et je pense que les armées n'ont pas réussi suffisamment, et pourtant, Dieu sait que moi j'en ai parlé à tous les élus, et que j'ai participé à beaucoup de colloques, et j'ai donné beaucoup de conférences, mais on n'a pas réussi suffisamment à inspirer notre société par ce type de questionnement, je le regrette. Mais il faut continuer sans relâche à poser cette question-là. J'habite Sauveterre de Béarn. C'est un bel endroit. Sauveterre de Béarn, c'est terrible, il y a un monument aux morts. On n'a pas, par exemple, au moment du centenaire des monuments aux morts, on n'a quasiment rien fait. On a essayé de faire, mais... Est-ce que, monsieur le député, sait en quelle année on a créé les premiers monuments aux morts ? En 1920. Le monument aux morts de Sauveterre de Béarn, il est surprenant. C'est un obélisque qui est au chevet de l'église, là. C'est un endroit où je vous conseille d'y aller. Si vous n'êtes pas béarnais, allez quand même à Sauveterre de Béarn et admirez le panorama extraordinaire sur les Pyrénées, sur la plaine du Gave. Et sur ce monument, c'est un obélisque avec au pied de l'obélisque une femme en larmes dont on ne voit pas le visage. Donc ce n'est pas très guerrier. Et il n'y a pas un seul nom sur le monument. Pas un nom. Pour moi, c'est le seul monument en France, monument aux morts, sur lequel il n'y a pas un nom. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, ça vient de ce que... les guerres de religion ont été tellement terribles à Sauveterre de Béarn. À la fois la conversion forcée au protestantisme par Jeanne d'Albret,
et ensuite la reprise en main, en particulier par Louis XIII, et la réinstallation du catholicisme, mais surtout la conversion forcée des guerres de religion, a été tellement terrible, s'est fait dans un bain de sang tellement épouvantable, que 350 ans après, les catholiques et les protestants, au lendemain de la Première Guerre mondiale, n'ont pas voulu que les noms de leurs enfants soient sur le même monument. Et donc, dans ce village, il y a un monument aux morts pour les catholiques dans l'église, il y a la liste des morts protestants au temple, et vous avez un monument républicain sans un seul nom. Voilà. Voilà, la profondeur des traces laissées dans l'esprit de la nation, dans l'esprit de nos sociétés, par ces sujets aussi graves, on l'a oublié maintenant. Mais c'était encore extrêmement vivace chez nos grands-parents. Et c'est la mesure de cette gravité-là qu'il faut que nous sachions prendre aujourd'hui et que nous réapprenions à nos concitoyens. Voilà. Je pense que c'est très important et c'est très compliqué à faire. Et ça prend du temps, de toute façon. Nous allons terminer du groupe Horizon et Apparenté, et Loïc Kervan. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mon général. Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser mon absence en tout début d'audition, puisque j'ai été appelé dans l'hémicycle. Je voulais vous dire, bien sûr, mon plaisir de vous retrouver ici, et au nom du groupe Horizon, notre attachement aux ordres nationaux et aussi cette conviction que c'est une reconnaissance de la nation, mais c'est aussi, et ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu « Espérer pour la France » d'Hubert Germain, une obligation, un devoir, une incitation à continuer à être à la hauteur de ces décorations. Je voulais vous remercier pour avoir évoqué avec la franchise qui vous caractérise les grands enjeux des ordres nationaux, la diminution des contingents, la question de la répartition géographique qui est très importante pour moi, élu d'une circonscription très rurale au centre de la France, et les questions d'honorabilité. Et vous dire qu'il est vrai qu'en tant que député, moi je continue à ressentir une vraie difficulté à faire remonter les dossiers qui me semblent mériter attention, et parfois ça tient plus à la bonne relation avec tel ou tel ministre ou finalement à ce que nous doit tel ou tel ministre pour une raison ou une autre. Parfois c'est le sentiment qu'on a encore malheureusement. Moi j'ai une interrogation autour de la question du mérite. Finalement, tous les mérites se valent-ils, puisqu'on a des ordres qui rassemblent des mérites extrêmement divers. Vous avez parlé de l'attribution, on peut la recevoir pour ce qu'on a fait au feu. Mais on a aussi des mérites artistiques, des mérites sportifs, des mérites dans le monde des affaires. Et parfois, je trouve que ça interroge nos concitoyens et ça peut contribuer dans l'esprit de certains à dévaloriser ces ordres, puisque eux, nos concitoyens, introduisent une sorte de hiérarchie et trouvent que tous ces mérites ne se valent pas. Et peut-être que certains ne valent pas l'entrée dans les ordres. Donc c'est une vraie interrogation, surtout autour de, finalement, la question, et pardon, là aussi c'est un peu conversationnel, mais est-ce que dans cette notion d'accès à ces ordres, il n'y a pas le déséquilibre entre ce que le récipiendaire a offert et ce qu'il reçoit en contrepartie? Vous voyez, vous pouvez offrir votre vie, vous pouvez offrir le privilège de n'avoir jamais eu à enlever la vie de quelqu'un, vous pouvez offrir du temps, etc. Et finalement, peu recevoir, en tout cas en termes financiers, par exemple. Où vous pouvez être un grand sportif, aller au travail, être un grand patron, aller au travail et recevoir déjà aussi beaucoup en contrepartie. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, et les interrogations qu'il peut y avoir chez certains de nos concitoyens sont peut-être liées aussi au fond à cette question de déséquilibre entre ce que l'on offre et ce que l'on donne, et est-ce que l'on ne devrait pas parfois être encore un tout petit peu plus exigeant et introduire cette notion de déséquilibre. Voilà. Merci, mon général. Merci, monsieur le député. Donc je redis, hein, la modification du code que le grand maître a décidé sur ma proposition hier, et que nous allons mettre en œuvre bientôt, devrait permettre, à partir du prochain contingent de la Légion d'honneur, d'avoir ce contingent qui sera d'une centaine pour la promotion du 14 juillet, d'initiatives citoyennes.
Et donc là, vous n'aurez pas à vous adresser à un ministre. Et faites-le, parce que c'est vraiment ça qui va changer la donne, me semble-t-il. Voilà. Non pas que les ministres ne fassent pas leur travail, les ministres continueront à le faire, mais que là, on aura vraiment du terrain, des propositions intéressantes. Je rappelle qu'on est tenu à la stricte parité, ce qui est aussi une difficulté. Il y a trop souvent encore de dossiers d'hommes qui sont proposés et qu'il est difficile, parce qu'on respecte strictement cette parité, de les retenir, même s'ils sont très bons, et donc proposer des dossiers de femmes. Voilà. Ensuite, oui, vous avez raison, il y a des gens qui sont déjà très, très récompensés, rétribués, même s'ils ont, parce qu'ils ont été grands sportifs, parce qu'ils ont eu des médailles olympiques, parce qu'ils ont plein de sous, parce qu'ils ont des contrats publicitaires, parce que, voilà. Et est-ce que vraiment ils méritent autant d'être décorés qu'une personne qui aura peut-être gagné moins d'argent, qui n'aura pas été un grand capitaine d'industrie, mais qui aura... Alors, le conseil est très attentif à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des grands capitaines d'industrie qui sont récompensés par leur mérite, mais d'abord, on n'arrive jamais avec une cuillère en argent dans la bouche à être Monsieur Edelstein ou Monsieur Trappier. C'est pas vrai. Je cite Dassault, mais je pourrais en citer d'autres. Ce sont des gens qui ont quand même atteint les degrés de responsabilité qui sont les leurs parce qu'ils ont bossé comme des malades, parce qu'ils ont donné leur temps et parce qu'ils l'ont fait pas par le souci de s'enrichir en réalité. Ils l'ont fait par le souci de donner le meilleur d'eux-mêmes au service de leur pays. C'est quand même ça la vérité. Mais on y est extrêmement attentif et dans les rédactions de mémoire, on insiste bien sur cela. Et donc quelqu'un qui aurait pour seul mérite d'être né riche et il a peu de chance objectivement d'être récompensé. On peut malgré tout penser qu'un citoyen qui crée des emplois, qui crée de la richesse, apporte beaucoup à son pays. Voilà. Donc on prend vraiment cela en compte, croyez-moi. Ensuite, c'est vrai que l'ordre de la Légion d'honneur, il est universel. Voilà. Il a été voulu comme ça par l'empereur. Et moi, je pense que vous avez autant de militaires que de civils qui sont décorés. Et donc, c'est une déclaration du courage qui est accordée aux savants et une décoration de la science qui est accordée aux soldats. Voilà. Et les savants sont fiers d'avoir la même décoration et d'appartenir au même ordre que ceux qui ont été des braves et qui ont fait preuve de courage. Et les courageux sont fiers d'être récompensés de la même manière qu'un savant ou un grand artiste. Et sincèrement, je pense que c'est très bien comme ça.